au fin fond de l'espace intersidéral, nous avons intercepté une conversation entre deux droïdes. Connectés par l'intermédiaire d'un hypercommunicateur subspatial, ils s'étaient branchés sur des tubes interdialactiques, chantés par un terrien portant le nom de code Jean-Pierre Savelli. C'est chéri, chéri de l'espace. Un terrien du même nom ou un clone s'apprête à conquérir le monde avec son rétro-laser et ses fulgurants points. Il est ce soir dans ta galaxie. Je me suis dit, voyons en personne, il m'aurait que 10, quoi, 15, mais bon,
Donc tous les gens qui sont là en 78 étaient nés, c'est ça? Non. D'accord, mais vous connaissez toujours Goldorak? Je connaissais pas Goldorak. Ok. Et est-ce que vous vous rappelez de ce personnage un peu plus tard qui s'appelait Alba? Albator. Vous savez ce qu'on dit à Toulon? On dit que le créateur français a trouvé le nom grâce à un joueur de foot, de rugby de Toulon qui s'appelait Balator. C'est une drôle d'histoire, non? Qu'est-ce qu'on pense, Robert? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Bon. On y va pour Albator? Ouais! Allez! Par contre, le refrain, je vais vous entendre. Hein. Pleure, on rit, il y a des
On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Andy. Les élèves et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Galine, Paquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Français. Alors là, je dis, tiens,
a changé un petit peu des mélodies japonaises. Et je retrouve mon premier producteur, car lorsque je suis parti, il y a très longtemps, dans les années 70 de Toulon, pour faire ce métier de chanteur, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Michel Legrand, et qui a fait tout le début de ma carrière. Et il m'a confié un feuilleton que certains regardaient tous les soirs sur France 3 à 19h55. Il y avait 5 minutes, dont 2 minutes de générique. Je pense que... C'est incroyable. Et la pub au milieu, monsieur. Non, il n'y avait pas de pub. Donc, je pense que si certains se rappellent des paroles, ils vont chanter avec moi. Ça s'appelle « Il était une fois ». Dans l'espace. Non, pas la révolution, Mathilde. Il était une fois. Qui c'est qui a dit l'homme? Je peux pas tout chanter, ils vont laisser un peu mes copains. D'accord? Il était une fois l'espace. L'infini, des brillants bleus du ciel, découvert comme un grand découvert. Et la terre, cette vie éphémère qui me rencontre des doigts de face, sa réplace dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel. Un rêve éternel où le temps s'efface pour faire place à l'espace. Devant nous allons, plein de joie. La 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 la, le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te compter, il était une fois l'espace. La 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 la. La 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 la, infini, devant nous dévoile ces planètes. Le texte il est tellement loin que des fois j'oublie les paroles. Heureusement que vous le connaissez, pas, bah, c'est bien. Vous pouvez pas me reprendre. On y va pour là. L'infini. À vous. La 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 la. Maya la Belle. Ah bon, vous connaissez? Oui. Maya la Belle, je connais pas Maya la Belle. Oui, la belle fleur. La plus belle des
son domaine, c'est notre galaxie. Il sort sur la Terre, il est comme toi et moi. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Oh, robot, il change de peau, quand dans l'espace vient la menace, il joue sa vie. Pour ses amis, il se bat. Il sort, le shérif, shérif de l'espace. Il sort, son domaine, c'est notre galaxie. Avec moi le refrain. Il sort sur la Terre, il est comme toi et moi. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Ses ennemis ont bien compris que lui vivant, ils seront perdants. Et il attaque, et il le traque sans répit. Sur son roller sky, il livre bataille. À coups de laser, il défend en l'air. Ils se trouvent tous, il lui repousse les élèves. Il sort, le shérif, shérif de l'espace. Il sort, son domaine, c'est notre galaxie. Sur la Terre, il est comme toi et moi. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Pieds et poings nus, il se bat pour vous. Vrai samouraï, il ne fait pas détail. Vite comme l'éclair et la lumière, il bondit. De son réseau, il part à l'assaut des extraterrestres qui nous détestent. Chérie de l'espace, il sort dans le ciel, celui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Il sort, moi, il sort, j'entends rien. Il sort, à la mieux. Il sort, le chérie, chérie de l'espace, il sort. C'est lui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Il sort, le shérif, shérif de l'espace. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne craint rien, il nous protégera. Il sort. Ça rappelle des souvenirs, hein? Quelle année c'était Dixon? 1982? Deux. Ah. Enfin, il y a un fan Dixon. 84, c'était mon duo. 1983. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé de salon, hein? Vous connaissez bien les titres. C'est vrai que nous, on... c'était pas des films manga. Moi, je chante des génériques de dessins animés, on est bien d'accord. Okay. Après, je vais vous faire bien sûr Naruto en japonais. Mais bon, ça, c'est. Si le directeur veut bien, donc, sinon je ne le fais pas. Sinon, je ne le fais pas. Et là, il y a qui maintenant? Il y a un feuilleton américain. Alors. Starsky et Hutch, non mais franchement. Non mais monsieur, sortez du salon, s'il vous plaît. C'est pas ici, Starsky et Hutch, franchement. Alors, il s'appelle Tom. Sawyer. Tom Sawyer. Magnum. Tom qui? Sawyer. Vous avez bien fait de dire mon gazeur. C'est pas du tout, mais pas du tout. C'est une surprise. J'avais fait le coup. Non. Alors, un dessin animé que je n'ai pas chanté. Mais comme mademoiselle a voulu que je le chante, je lui ai fait plaisir, parce qu'elle fait beaucoup de kilomètres. Elle vient de Sifour, donc elle a fait 12 kilomètres. Donc je me suis dit, je vais peut-être lui faire capitaine. C'est capitaine Flamme. Si vous connaissez les paroles, ça va aller, je le fais jusqu'au bout. Sinon, je fais juste un petit extrait. 30 secondes. Vous connaissez l'intro? On y va.
Thank you.
Alors, Tom Sawyer, vous allez chanter ? Ouais ! Alors là, on va faire un récapitulatif. Je vous ai monté un petit medley, manga, story, avec les personnages que vous venez de voir, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir chanter les chansons que vous n'avez pas chantées au début. On peut y aller pour le manga story ? C'est parti ! Sur sa table ! Les mains ! Et on commence par le... Ce show pour vous, Ixor.
avec cet instrumental que vous rêvez de chanter dans les karaokés, eh bien, il est là aujourd'hui pour vous au Mangazur. On y va. Tout le monde est prêt. Est-ce que tu peux allumer la salle?